décharge. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. C'est moi, je suis le traître. C'est écrit sur mon visage. Tout le monde sait que je suis un traître. Pompez l'up et pompez l'up, pas de stress, y'a point F. Vous savez qu'on va pas être tout seul, les gars. Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes, vite. Qu'est-ce que tu crois que je viens de faire? Je crois que j'ai attendu que tu me le dises, peut-être. On va forcément avoir des copains. Mais je les vois pas. Ah, c'est là-bas. Bon, et continuez de tirer, les gars. Vérifie qu'il n'y en a pas là, des charges explosives. Ok, tranquille, oui. Je suis solo, on est dans la merde. Ils sont où les deux autres? Ils sont où? J'ai pas le temps. Allez, mène-toi. Ouf. Ça picote. Allez. Cliquez droit et faites pivoter la caméra de manière à viser l'un des marqueurs clignotants. Quoi? Ok, d'accord, j'ai capté ça. Elle est où la dernière balise? Elle est là. Bon, ils sont où les deux guignols? Arrête de t'accroupir toutes les deux secondes, s'il te plaît. C'est pas un truc explosif, ça ?
Ça va oublier, mais les musiques sont plutôt stylées. Ouais, ouais. C'est clair. Utiliser touche de déplacement. Ah oui, c'est vrai. Il y a autre chose ? Nique-toi. Ah oh, putain. Bon, je l'ai foiré. Putain, c'est chiant. Bon, attendez. En fait, je teste avec la souris, mais c'est pas bon, faut que je teste avec les touches. Mais alors, poussez-vous. Ouais, avec les flèches du clavier, ça se passe beaucoup mieux, t'as raison. Normandie, la balise est sécurisée. Demande d'évacuation immédiate. En état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterrée. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu. On reste en stand-by. Mais non ! Nous avons identifié le vaisseau qui s'est posé sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à sauver la colonie. Et la balise ? L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. Puis on va aller t'acheter un petit chemisier et puis tu vas le boutonner jusqu'en haut du cou. Docteur, docteur Chakwas, je crois qu'elle se réveille. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous ? Tough. J'en serai quitte pour quelques bosses. Combien de temps je suis restée dans le coltard ? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. Une quinzaine de jours ! C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approchée. Vous avez dû me pousser de là. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait.
En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO. Du coup, Williams et moi, on vous a transporté jusqu'ici. Vous êtes au courant qu'il y a des hôpitaux sur Eden Prime ? Vous êtes bien mieux dans cette infirmerie que dans n'importe quel hôpital d'Eden Prime. Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. C'est tes sourcils qui sont anormaux. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. J'ai vu... En fait, je ne suis pas certaine de ce que j'ai vu. La mort, la destruction... Rien n'est vraiment clair. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh, Capitaine Anderson. Comment va notre commandant? Le retour de l'homme qui avait besoin de crème réparatrice. Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, Capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. Est-ce qu'on a laissé l'artilleur Williams sur Eden Prime? Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. Oh, Ashley, c'est le personnage qui a la voix d'un personnage secondaire de beaucoup de films des années 2000, y compris Resident Evil, je sais pas si vous vous rappelez. Et je peux pas me sortir ça de la tête quand je pense à Ashley, en fait. Je ne vois qu'elle. William, c'est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenko est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenu avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sorties du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Ok. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. J'ai juste fait mon boulot, chef. J'espère que le Conseil comprendra ça. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux. Un spectre renégat, un spectre mort, ouais, c'est sûr. Pourquoi ? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des créatures artificielles, les guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement? Que j'ai fait un mauvais rêve? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparé. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres.
et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Bon, tout s'est passé comme sur des roulettes. Comment ça, non? Ça me fait penser qu'il faut qu'on fasse le tri dans notre inventaire ensuite. Okay, j'ai récupéré des médigels. Content de voir que vous allez bien, commandant. Si j'ai tout bien compris. Si j'ai bien compris, c'est ce qui me sert à me soigner et à soigner mon équipe. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Quand votre heure est venue, il n'y a rien à faire. Vous croyez vraiment, commandant ? Après ce qui vous est arrivé sur Akuzé, vous croyez que c'est juste un coup de chance si vous avez survécu? Akuzé a été un bain de sang. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment je m'en suis tirée. Peut-être que mon heure n'était pas venue, tout simplement. Chef, sauf votre respect, je crois que notre paternel à tous veillait sur vous. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Des marines et des colons sont morts, tout ça pour que la balise nous file entre les doigts. Vous avez sauvé pas mal de vies, commandant. Maintenant, avec ce qui est arrivé à Jenkins, ça doit être dur de relativiser. Il faut que j'aille parler à Joker. Au revoir, commandant.